Je suis presque un grand frère pour Karim. On a à peu près le même parcours. Il a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier. Ça n'a pas été facile au départ. On était de simples joueurs qui avaient un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. Quand on vient de signer à 17 ans un contrat professionnel et qu'on rentre dans une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux, en général, on ne se montre pas trop et lui avait cette faculté non seulement à maîtriser son football, mais à l'exprimer sans appréhension. Tous les éducateurs étaient unanimes. Ils nous disaient tous, on a une pépite. Pour lui, ce n'était qu'une étape. Je vais devenir titulaire. Je vais devenir performant en Champions League. Je vais jouer en équipe de France. Et puis, je vais aller au Real Madrid. Et finalement, je vais devenir Ballon d'Or. Ça est mieux feliz. De jugar en el mismo club de mis ídolos, Zidane y Ronaldo. Karim es el fútbol. Como juega. Karim, c'est le football. La façon dont il joue au football est assez exceptionnelle. Son jeu est un art. Il est capable de changer la vitesse du jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est un artiste. C'est son toucher de balle. Il fait juste des contrôles de dingue. C'est beau à voir quand vous êtes là à 3 mètres. Karim is a great character, he's a great personality, he's a team guy. Karim he's not a guy a une grande personnalité. C'est un joueur d'équipe, il n'est pas obsédé par lui-même, il n'est pas obsédé par le Ballon d'Or. Son obsession, ce n'est pas de marquer plus de buts qu'un autre joueur. C'est un joueur d'équipe qui a su évoluer et le Ballon d'Or est venu naturellement. Moi, je pense que c'est un gars qui est obsédé par l'équipe. Il y a Karim avec Cristiano, Cristiano est sans Cristiano. Parce que quand Cristiano est parti, c'est sa responsabilité de l'équipe qu'il a assumée. Et son caractère lui permet de bien gérer cela. Un éclair est capable de marquer, de faire marquer, de faire des gestes incroyables. C'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment le cas. Même si ça s'est fait sur des fins de match, des dernières minutes, c'est pas la chance, ça. On parle de chance, non, c'est pas la chance. Ça, c'est des mecs qui sont jour J, jusqu'à la dernière seconde, ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Et ils la font. Personne ne s'attendait à ça. Il a vraiment fait la différence, quelque chose d'incroyable. C'est comme le vin, quand il madura, le vin a un bon vin. Quand il mûrit, quand il vieillit, il a un meilleur goût. Et Karim, c'est exactement la même chose.